Merci. Mais on est fous, parce que tu es dans les salles. Et donc, on va faire le théâtre. David, t'as fait l'armée, non? Oui. Elle arrive.
je crois que c'était dans l'autre sens, parce que moi, après, j'avais dit, j'avais dit comme ça. Ouais, c'est le seul qu'on connaît. J'adore pas, non, mais c'est un peu long. Voilà, derrière, on retourne là. Pas la jupe, hein. Mais moi, j'avais demandé à Michel, il m'a dit oui. Ah, mais c'est ça, ça va. J'ai fait des... Ah, mais voilà, c'est pour moi. Ah, non, 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 c'est parce que... Voilà, je... Vous mettez juste ça, là. Ouais. Voilà, on voulait faire la suite. La suite de faire. Mais ici, je ne sais pas si on aura. Est maintenant terminé. D'ailleurs, on vous remercie tous pour ce très beau moment. Que Steve et Zineb reposent en paix. Ils resteront dans la mémoire. Et tout notre soutien et nos condoléances à ce qu'à leur famille et à leurs amis. Sur le moment de recueillement passé, les organisateurs ont souhaité que ça continue aussi par une dénonciation des violences policières qui ont lieu depuis le 17 novembre 2018. Je peux accepter qu'en France, on puisse être tué par une grenade lancée par des policiers alors qu'on est en train de fermer ses volets. Je peux accepter que l'on puisse mourir noyé, poussé dans un fleuve, par une charge démesurée de police un soir de fête à musique. Je peux accepter de voir des manifestants mutilés, éborgnés, maltraités pour leurs idées. Abus d'usage de LBD, de grenades assourdissantes et de désencerclements, de lacrymos, nas, matraquage, voltigeur. Trois personnes dans notre département ont perdu un œil, éborgnées par des policiers qui ont fait usage de moyens inadaptés et disproportionnés. Nous constatons de leur part un manque évident de sang-froid, de réflexion pour éviter le carnage. Sauf si tout cela est voulu au contraire dans le cadre des manifestations gilets jaunes, par un gouvernement contesté qui s'effrite et veut s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Ce qui nous met aussi en colère, ce sont les réponses de ce gouvernement qui ne sont que déni et mensonges. Dernièrement, si on écoute les ministres, il n'y aura aucun lien, strictement aucun lien entre le décès de Steve et la charge de la police. Geneviève Lemay est tombée toute seule lors de la manifestation à Nice, etc. etc. Donc si c'est tout cela que nous allons dénoncer devant le commissariat et la sous-préfecture maintenant, à la fois cet abus de violence policière qui terrorise le peuple de France, et le mensonge perpétuel qui est perpétré par notre gouvernement. En conclusion, parce que notre mère aurait pu fermer les volets, parce que notre enfant aurait pu fermer les volets et danser un peu plus longtemps que prévu, parce que nous voulons pouvoir dire que nous ne sommes pas d'accord avec une réforme ou une loi, sans que ça nous coûte un œil ou la vie, nous proposons de nous rassembler tous et de manifester tranquillement vers la sous-préfecture. Je vous remercie.
Allez. Merci. La police assassine ! C'est fermé ! Ça picole ! On n'oublie pas ! On pardonne pas ! On n'oublie pas ! On pardonne pas ! On n'oublie pas ! On pardonne pas ! On pardonne pas ! De l'autre, déteste la police et tout ! De l'autre, déteste la police et tout ! Thank you.